L'ange numéro 64, Mehiel. Il régit du 5 au 9 février. Il est l'ange de l'inspiration et la vivification. Il nous aide à activer notre imagination et créativité pour trouver des solutions intelligentes. Il nous aide à transformer en soi l'hyperactivité et le manque d'énergie. Avec cet ange, nous pouvons développer les qualités suivantes. Vivification, inspiration, vie intense, féconde et productive, intelligence, imagination, réceptivité et compréhension profonde. Aide à trouver des solutions pratiques et innovatrices. Développe les facultés mentales en harmonie avec l'imagination. Force bénéfique à l'activité intellectuelle, aux ordinateurs et à la programmation. Aide à comprendre la corrélation entre la science des rêves et la technologie. Touche l'écriture, l'édition, l'imprimerie, les maisons de diffusion, les librairies et les orateurs, ainsi que les émissions de télévision et de radio. Favorise le développement technologique. Aide à réfléchir sur l'expérience personnelle et à la comprendre. Antidote contre les forces de l'abîme. Nous pouvons rectifier les faiblesses humaines suivantes. Manque d'énergie, incapacité de penser ou d'entreprendre, faire quelque chose, ou hyperactivité, surexcitation, souhait de plaire et d'être apprécié, reconnu. Vie stérile, improductive, difficulté à créer ou à réaliser des projets. Manque d'intensité et d'inspiration. Problème au niveau de la créativité et de l'imagination. Excès ou absence de but.
d'objectifs, d'aspirations. Contradictions, critiques, polémiques. Déformation de la réalité et complaisance dans l'illusion. Tyrannie, mégalomanie, oppression, fausseté. Comportement destructif. Essaye de forcer le destin. Ne comprend pas la mise en scène de sa vie. Excès de rationalité. Joue un rôle. Manque d'authenticité. Problème de personnalité. Nous pouvons l'invoquer dans les situations suivantes. Critique. Écriture. Écrivain. Enregistrement. Fatigue. Fatigue chronique. Impression. Improvisation. Librairie. Programmation. Programmer. Scénario. Télévision. Thymus. Douce pensée angélique.